Peter, il faut que j'aille brosser. Je suis à la bourrée mais donc je n'ai pas le temps de brosser. Ah, pris un week-end, tout ce qu'il y a de plus mouvementé. L'idée de retourner au boulot au taf me hantait. Mais c'est comme ça, on est obligé d'affronter le début de semaine. La face des gens dans le métro, ouais. Celle d'un boss trop rétro qui vous met la haine à cause de ses réflexions, ses suggestions. Et a toujours posé des questions sur ma vie, sur ma façon de m'habiller, ouais. Ce que j'ai fait de mon week-end, c'est comme ça toutes les semaines. Ma vie privée se propage comme un virus de tout le secteur. Tout le monde est porteur, sauf le directeur, qui s'en fout, qui ne sait même pas si j'existe. Les autres plumes persistent à attirer son attention et insiste, ouais. Sur les plaisanteries, les décolletés à guicheurs, les flatteries, les gâteries, les sous-entendus dans l'ascenseur, ah. Ça doit être le pied d'être le boss, le patron, ah. Le grand Manitou, ah. Celui qui manie tout, je rêve, ouais. Parfois d'être à sa place, mais vu comment ça se passe, je suis mal parti pour brasser des liasses. C'est la pause déjeuner, on a une heure pour manger. Pas une minute de plus, faut se bouger. Mais comme j'étais en retard ce matin, faut que je rattrape le temps perdu, sinon j'échappe pas au baratin. De l'employé modèle assis en face de moi, qui taffe 32 jours par mois pour le même salaire que moi. Une vraie balance à mouchère, un premier de la classe. Coupe au gel, le barbe, lunettes en plexiglas. Bref, en fin de compte, j'ai rien avalé. À part de l'air, tellement j'ai cavalé et dévalé les escaliers. Et à chaque étage, on voit toujours les mêmes cas. Les mêmes gars, les mêmes faces, les mêmes tasses. Qui passe leur temps en s'occupant à se limer les onglets. À parler de tous les mecs avec lesquels elle jonglait. Tout le monde se fait assaisonner par le clan des Amazonais. Sans déconner, j'ai assaisonné. Dans cette boîte où même les cafards boitent, où les ragots s'emboîtent, où toutes les mains sont en boîte. Aïe, encore 4 jours, 3 semaines et 1 heure. Avant le week-end, la fin du mois est 17h. Enfin, c'est la fin du calvaire. 9 heures d'attente, il faut voir tous ces chacals vers la sortie. Réaction, bien assortie avec le décor. Faut avouer que ça donne envie de botte des records. Vitesse, et on peut lire la tristesse sur certains visages qui envisagent de quitter le taf pour un paysage pur, car saoulé par la pollution. Ciel gris, les grèves, la seule solution, plafond. Poster avec des palmiers pour s'évader. Quand on sent que le moral commence à se dégrader, mais y'a des jours comme ça où on est à bout, où on ne tient plus debout et on ne joint plus les deux bouts. Pour oublier, on rêve d'une vie où on se lève tard, où on fait tout en retard. Putain, y'en a marre.